Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on se donne rendez-vous au golf public de Cabourg et je suis avec un invité, Johnny, le mec le plus chanceux du Instagame, sans déconner. Le gars, il y a un jeu concours, ne participez pas si vous voyez son nom. Il parce a que vous chance êtes... de gagner, c'est pas grave. Voilà, comme il le dit. Donc on va essayer de se faire un petit vlog, voilà, il m'a contacté pour venir jouer ici. J'ai dit pas de soucis, je bosse pas, les enfants sont avec maman. Donc du coup j'ai dit pourquoi pas. Donc on va aller découvrir ce petit parcours, c'est un 9 trous, voilà, on va essayer de faire ça sans pression et puis voilà. Allez, bon parcours. Donc voilà notre ami Johnny avec son petit hybride. Il a fini à droite là-bas. Et moi avec mon driver, avec mon wedge, j'ai fini dans les arbres là-bas, bien en cloche. Donc ça devrait aller. En plus, bah voilà. Donc Johnny m'a contacté pour venir jouer ici, je lui ai dit si t'as de la chance il va faire beau. Et en fait il vient dans la seule semaine de l'été où on a du soleil. Tant mieux pour lui. Donc on va essayer de passer un bon moment. Premier coup vient de nous mettre bien dans l'ambiance. C'est parti, go chercher la balle. Ce troisième shot on arrive, petit coup en délicatesse pour essayer de la poser le plus proche possible du poteau et voilà un petit par sans force. Alors oui la voix off, pourquoi? Parce que mon micro a planté en fait, lorsque j'ai regardé les rushs c'était inaudible. On s'en rend compte 2-3 fois sur quelques vidéos de shots, donc là notre ami Johnny hop et voilà, putting CV. Et voilà, petit par sans forcer. Allez trou suivant. Bon, l'avantage, c'est que je suis en piste. L'inconvénient, c'est que j'ai pas été loin. On va essayer de faire une approche roulée. Hein. Bon, c'est bien sorti ça. Bon, un peu de pas simple à négocier. Les greens étaient un peu abîmés. Puis, bon, comme d'hab, j'en mets pas assez. Notre ami Johnny commence dans ses œuvres. Voilà, une première virgule. Après, l'été dernier, il a fait très très chaud. C'était très compliqué pour d'entretenir les greens. Et voilà, hop, petit putt qui retombe à la fin. Avec l'ami Johnny, bon, qu'est-ce que tu penses de ce début de partie? Oh, difficile là. Pour moi, pour l'instant, double et double, c'est pas terrible. Mais bon. On a encore 7 trous pour t'améliorer, parce que voilà. Si tu t'améliores pas, tu finis là-dedans. C'est ça. Sort de se rafraîchir. En même temps, ça pourrait pas faire de mal, parce que là, vraiment, je vous le dis, ça, c'est un golfeur comme je les aime. Parce que Johnny vient dire, allez, on joue intelligemment. Il réussit, ça fait 2 mises en jeu qu'on foire tous les deux. Et là où il faut surtout pas aller à droite, il sort le driver. Il dit, on joue intelligemment. J'ai dit, ok, d'accord. Content de ce petit coup, tout va bien, allez on vit, on va essayer de la coller au poteau, mettre un peu, faire le par, au pire le bogey, puis voilà, on va pas se plaindre. Donc là après c'est encore une mise en jeu pourrie, une approche qui se présente plutôt pas mal et qui va me laisser une chance de putter pour le par avec notre ami Johnny qui lui va plutôt opter pour un putter puissant. Bah, c'est bien fait, c'est pas si mal. Pour le par et trop court. Voilà l'histoire de ma vie. Toujours comme ça quand il y a des occasions. Et du coup, Johnny nous fait putter puissant. Putter puissant pour putt. Le par. Et après le par. Et après le par, et bah, c'est génial. Ça, Rina va être satisfait de voir un padawan, enfin non, là il dira pas padawan, il dira que t'es un Jedi maintenant vu que tu l'as réussi. Allez, tu l'as réussi donc t'es plus un padawan. Mon deuxième coup était vraiment pas si mal, mais un peu court du drapeau et là. Green en pente, fallait monter, fallait pousser quoi. Oh, Johnny, encore une fois, fait l'amour au trou. Ça, ça a été une constante dans ce vlog. À chaque trou,
il passe à une chouille de la mettre au fond, quoi. C'était catastrophique. Et voilà, un beau putt de retour, ce qui fait le par. Trou suivant. Une mise en jeu encore égarée sur la droite pour changer, hein. Et donc je me retrouve dans le gros rough. Je dis passe, passe, passe parce qu'en fait il y a deux bassins, un à Premier droite, un bassin à à gauche. Ouais, passer. voilà, vous les voyez. Petite mare à gauche. Et là-bas, encore un autre. Enfin, la petite mare qui. Le bras, voilà, il y a juste un passage. Donc voilà, et moi je suis parti mourir au green là-bas. Donc je pense que je vais faire plaisir à mettre Rina. Et que je vais faire une approche au putter. Ça, vraiment, c'était encore une riche idée de ma part. Hein. Quand on a des idées à la con, on y va jusqu'au bout. Quand on sait pas faire, bah on ne fait pas, monsieur. Et voilà, le vilain 3 putt. Pas beau du tout. Allez, rentre-nous ça, mon coco. On passe au suivant. Ah, je passe un bon moment avec Johnny. Je passe une bonne partie, c'est agréable. On vient de voir un accident de la route en direct. Enfin, d'abord on l'a entendu, après on a vu. Voilà, c'est les joies du golf en bord de route. Je vous jure, c'est pas une de mes balles. C'est pas à cause de moi. C'est pas à cause de nous. Non, Johnny, pareil, on Non, n'a pas c'est pas à envoyé de balle cause de sur la nous, mais route. c'est impressionnant. Impressionnant. Là, on arrive sur un petit par 3 de 128 mètres. C'est le premier de la partie. Je ne sais pas pourquoi je parle comme ça. Sûrement parce que je suis tout émoustillé. Bah, c'est parti. Donc là, une mise en jeu un peu embarquée à gauche, courte du green. Mais bon, ça sera en vie. Une petite approche qui va me laisser une chance de par. Allez, on va aller regarder ça tout de suite. Johnny, que va-t-il nous faire? Eh oui, encore une virgule. Évidemment, c'est sa spéciale. Et Bibi, qu'est-ce qu'il va nous faire? Encore un peu de cours. En ligne, mais court. Bon, allez, on se rentre ça. Allez, on passe au trou suivant. Dans l'esprit, c'est ce que je voulais faire. Enfin, je voulais la basse avec un fade. Elle était basse, elle a fait un fade. Et pas là où je voulais. Donc là, je vais un peu beaucoup ralentir ma descente, ce qui fait que je vais gratter et je vais être sur le green, mais court, drapeau très très court. Oh le salaud! Très bien joué! Donc là encore un long putt, ça a été une constante quand même aujourd'hui, et encore une fois ça va être un peu court. Putt de retour encore, allez on y va, on la saccharine comme un con sans réfléchir. Et voilà, trois putts encore. Et encore une belle occasion pour notre ami qui va refaire une virgule. Et j'ai arrêté de compter, je suis désolé Johnny, vraiment, mais t'es fatigant mec. Comme dirait Johnny, il y a de la marge. Enfin, le sapin, il est haut quand même. Hein. Donc on va essayer d'y aller en approche roulée, comme tout à l'heure. Avec plus de réussite, j'espère. Pour cette petite approche roulée, mieux exécutée, mais malheureusement un peu trop forte. Je vais me retrouver derrière le green. Là, je ne prends pas le putter parce que c'est très abîmé devant moi. Mais je m'en sors plutôt pas mal avec cette petite approche, petit putt de retour. Et voilà, on arrive à sauver un petit bogey. Et notre ami Johnny. Oh là 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 là! Non mais en fait c'est monsieur que je collectionne, il peut être hyper bien, mais là c'était trop près pour toi. Encore une fois, la mise en jeu est médiocre et me pénalise encore sur ce trou où je vais finir dans les arbres qui sont tout à gauche. Donc un petit coup de miaou parce qu'en fait elle était juste là, les arbres l'ont Le renvoyée. drapeau Merci les sur cet axe-là. arbres. On va se marrer. Donc là je fais absolument pas ce qui était prévu, hein, c'est-à-dire que je pars en direction du peuplier que vous voyez juste en face de moi. C'était pas du tout la ligne. On verra. Au final, j'étais plein d'axes de drapeau, mais comme j'ai rencontré le peuplier, bah court. Petite approche plutôt pas mal, vu l'épaisseur du rough, et encore une fois, un putt court. Voilà. Le désespoir se lit sur mon visage. Et voilà, fin de ce neuf trous. J'espère que ça vous a plu, que l'ambiance vous a plu, qu'on a réussi à
retranscrire la bonne ambiance avec, avec Johnny. Bilan, après 3 semaines d'arrêt pour moi, je finis plus 9. Je saccage un peu ma carte sur les deux derniers trous. Puis bah Johnny, lui, il avait arrêté pendant 3 mois, c'est ça? Ouais, 3 mois. Petit problème d'épaule. Et tu finis à Beaucoup. Beaucoup, je les ai pas comptés sur la carte. C'est bien. Beaucoup trop. C'est bien beaucoup. Voilà, donc là, nous, vous voyez, on va aller se boire un petit verre. Juste là-bas, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Faut en abuser avec modération. Si vous trouvez modération, je l'invite. Et puis, bah, je vous dis à la prochaine dans une future vidéo. Salut, ciao.